Salut tout le monde, on se retrouve pour la vidéo de Zelda Twilight Princess, une charge chaînée. Venez. Ok. Ah oui, carrément. Ça non plus, je m'en souvenais pas. Attends, je suis comme ça. C'est marrant. Non, je rigole. Donc c'est parti. Donc là, on va faire un petit peu de secondaire avant de continuer, même si ça risque de pas être très long. On va aller chercher peut-être des fragments de cœur, quelques rubis, un peu tout. Donc c'est là, la dernière fois que je vous ai dit qu'on allait avoir une nouvelle combinaison, bah, ça va être ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Magie. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, la classe. Aïe, je viens de manger le mur. Hop! Et donc un passage secret apparaît. On peut accélérer? Non. Ah non, on peut se mettre en rond. C'est cool. Coucou. Oui, faut nager, c'est ça? Oh. Quelle grosse énigme. Coucou. Je vous remercie infiniment d'avoir sauvé mon fils. Le Jazz, le Cocorico est le lieu de repos éternel de notre lignée. Feu, mon mari, le roi Zora, repose aussi ici et son esprit dort en ces lieux paisibles. Le fait que mon fils trouva son salut en ces lieux est dans le doute un signe du destin. Je reviens. Ou attendez. Non, c'est bon. Ce que je vous avais promis se trouve dans ce machin. Mon époux fit confectionner de son vivant une tenue destinée au héros afin de que celui-ci puisse bénéficier de son pouvoir. Vous allez voir, nouvelle combine. Et vous l'aurez deviné, je pense. Vous avez obtenu la tenue de Zora. Une tenue au pouvoir étrange. Voyez que je sais à quoi ça sert. Il est temps pour moi de rejoindre mon roi dans son sommeil sans fin. Néanmoins, mon fils ignore encore tout ce de mon sort. Si vous deviez le rencontrer, faites-lui part de ce message. Dites-lui de ne point pleurer le trépas de sa mère, qu'il doit être un roi bon et courageux pour guider notre peuple. Et dites-lui aussi que sa mère le portera toujours dans son cœur. T'inquiète pas. Tu as trouvé tous tes amis et tu as même obtenu la tunique des Zora. Tu dois être content. Par contre, tu as oublié quelque chose de très important, le dernier cristal d'ombre. Souviens-toi de ce que disait Firon, l'esprit de la lumière. Il a dit que tu auras besoin de cristal d'ombre pour libérer ce monde de Xanto, le roi des ombres. Si tu choisis de rester maintenant auprès de tes amis, tôt ou tard, tout recommencera. Allons chercher le dernier cristal. Prends-toi au temple qui dort dans les abysses du lac d'Iria. On va tout de suite se l'équiper parce qu'elle est trop stylée. On a trop la classe avec. Enfin, je trouve pas vraiment en fait. Et donc maintenant on peut nager. Je croyais que c'était avec la télécommande, oui, mais non. Et on a la respiration à l'infini. Bon, on va faire un petit aller-retour. On va aller chercher les bombes qui permettent d'aller dans la flotte. De toute façon, on va en avoir besoin. Et maintenant, on nage beaucoup plus vite et c'est juste énorme cette fourmi. Par contre, elle apporte moins de protection, je crois. Mais bon, c'est pas grave. Hop là. Aïe, je me suis bien mangé le mur. Donc là, on va aller chercher les petites bombes, de la Morlia. Pour tout simplement faire exploser tout ce qui est en rapport avec l'eau. Hop, c'est là-bas. Tiens, il y a un magasin là, je crois. Hop, c'est ici. Hop, et j'espère qu'il y a aussi la troisième bombe, comme ça je vous montrerai, que je n'ai jamais utilisée et que je me souviens plus à quoi ça ressemble. Non, elle n'y est pas, malheureusement. Oh, salut, je t'attendais. Mate un peu ça, j'ai finalement mis au point mes hydrobombes. Mate ces beautés, elles explosent. Mais arrête de dire ça! Elles explosent même sous l'eau, je suis génial.
Tant vaut que je suis sûr que tu pourras plus t'en passer. Vas-y, jette un coup d'œil. Blablabla. Et oui, j'en veux. De quoi? Ah, je vois que ton sac de bombes contient un autre type de bombe. Au comptoir, à côté, je te rachète les bombes dont tu ne veux. Ah, bah, parfait. Ah non, non, non. Que penses-tu de ça? Oui. Les 10 bombes sont à 30 rubis, les 20 à 60 et les 30 coûtent 80 rubis. Je peux les acheter en fait. Je suis ouvert en cas. Ok. Je voudrais te les vendre. Ah, je vois que ton sac de bombes contient un autre type de bombes. Au comptoir d'à côté, je te rachète les bombes. Quel comptoir d'à côté? Je comprends rien. Ah, ici. Bonjour, bienvenue au comptoir des rachats. Oh, vous avez des bombes à revendre. Puis-je regarder dans votre sac? Marché conclu. Blablabla, voilà. Énorme. Je kiffe ce mec. Allez, hop, hop, voilà. Quinton. Parfait. Non, je ne veux pas, je ne veux pas. Allez, salut! Me casse, j'en ai marre de toi, tu pues la gueule. Non, je déconne. Tu pues pas la gueule, tu pues juste tout court. Bon, c'est bon, j'arrête. Alors, bon, déjà, bonne nouvelle, regarde ce qu'on peut faire. Tada! Hop! Non, non, s'il te plaît, comment on fait pour sortir? Hop! Je ne veux pas utiliser ça tout de suite. Faut aussi que je me rachète des flèches. Non, non, je ne veux pas. Non, restez. Ok, faut aussi que je me rachète. Que je me rachète des flèches, c'est ce que je vais faire tout de suite. Allez. Y a-tu un nouveau truc à acheter? J'aimerais bien avoir un nouveau trou. Et ben non. Coucou. Hop. J'achète. J'achète. Tokaro est déjà plein. Ok, blablabla. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Ah bah, on va pouvoir se choper les rubis qu'on avait vu tout à l'heure. Oh oui, hier. Oui, moi, pour moi tout à l'heure, mais pour vous, c'est à l'épisode d'avant. On pourrait y choper, alors c'est pas vrai, oui. Donc d'abord, on va aller voir un truc qu'on a vu l'autre fois. Hop. Et après, on retournera où on était allé pour aller choper ça. Donc en fait, si ça risque de prendre un petit peu de temps quand même, hein, parce que là, on est déjà bientôt à 10 minutes. Donc ça prend un petit peu de temps quand même de faire les 4 secondaires. Juste comme ça. Bon, hop, et on saute. Bon, non. Attends, il faudrait juste faire ça en fait. Parce que ça me saoule de. Je suis pas habitué à faire ça. Ok, je vais faire. Hop, hop. Ah! Je m'en doutais un petit peu. Hop, hop, hop. Non. Oh! Je me sens ridicule. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je voulais un fragment de cœur. Ah, mais ça se fait pas ça aussi? Je crois que non. Non, mais hey, tu me saoules à faire ça. Aïe! Bon, on va dire que ça te souhaite pas, mais je veux absolument être sûr. Ok, Link, t'es super chiant. Non, ça se fait pas, on est bien d'accord. Allez. Non, mais non. Hop là. Oh, on se régène. Oh, ça fait du bien. Oui, je m'éclate. Moi, je vais rester sous l'eau, je suis bien sous l'eau. Ok, bah on est régène, tant mieux. Maintenant, on va aller chercher les bidules. Ça veut rien dire ce que je viens de vous dire, mais bon, on va aller chercher. On va aller chercher les trucs qu'on a vus, parce que c'est encore des rubis, mais de toute façon, on en a besoin. Donc, on en profite. On a un truc qu'on n'a pas encore vu. Je pensais qu'on allait voir plus rapidement, mais bon. Alors, pour finir à 100%, je ne compte pas finir. En trouvant tous les coffres quoi, en fait, parce que
C'est des rubis, des trucs comme ça. Enfin, je peux avoir toutes les boussoles, toutes les cartes et tous les fragments clés, en fait. C'est surtout ça que je veux, c'est le principal. Ok, donc cette fois, on va poser. Hop. Voilà, qu'est-ce que c'est? Un rubis rouge, bah c'est mieux que rien, hein, qu'on soit bien d'accord. Et là-bas, je pense que c'est un fragment clé. Ou alors la masse de rubis, ce qui fait que ça va me faire chier. Poser. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est carrément un autre chemin. Bon, on va aller voir. Hein. On n'est pas limite près, enfin si, quand même un peu. Mais... Oula, what the fuck? C'est énorme ce passage! Putain, c'est trop bien fait. Ok. C'est énorme ça. Bah tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Comme ça on va continuer. J'ai l'impression d'avoir oublié plein de trucs et tout, mais... Tant pis. Maintenant on nage beaucoup plus vite. Hein. Hop, donc on va aller au fond de l'eau. Et enfin, j'ai envie de dire, enfin on a cette tenue quoi, depuis le temps que je vous en parle. Enfin, que je vous en parle. Je vous en ai parlé vite fait. Enfin, je crois que ça nous permet de remonter là. Plus rapidement. J'espère que c'est pas des mobs. Ah non, je crois que c'est des auras. Voyons. Oui, c'est des auras, parfait. As-tu remarqué as-tu remarqué cette bulle qui s'élève depuis le temps de... N'approche pas, c'est dangereux. Le courant est très fort et il t'emporte tout vers la surface. Tous vers la surface. Ok. Je peux pas monter sur dodo? Non. Bon, okay. Ah, un petit rubis jaune. Parfait. Là, il y a plein de trucs à détruire, mais j'ai pas envie. Mais bon. Attendez. Je regarde s'il y a pas moyen que ce soit en cœur. Non, c'est pas vraiment de cœur, c'est des rubis. Et ça, c'est encore des rubis. Donc on va laisser... Ouais, putain, attention. On va laisser ça tranquille parce que j'ai pas envie d'utiliser des bombes pour ça. Surtout que je crois qu'on a besoin pour le donjon. Oui, mais je peux pas sortir mon arc, si. Attendez, comment je fais là? Oh, comment je fais? Attendez, si je fais ça. Les gens. Il y a un truc que je comprends pas très bien là. Il y a quoi là? Mais en plus je peux pas sortir les montres tant que je suis pas assis. Tu nies quoi toi? Au-delà de cette pierre se trouve un territoire qui nous est sacré, autrefois appelé le Temple aux Ordres. Malheureusement, le temple est maintenant envahi de monstres. En ces temps troublés, tout ce que nous avons pu faire, c'est bloquer l'entrée afin de y pénétrer, de y enfermer. Oui, mais... Moi, je vais rentrer. Il n'y a rien, là. Je crois que c'est pas tout de suite. Je suis désolé. Je me disais aussi que j'avais oublié quelque chose, mais je n'arrive pas à savoir quoi. Bon, le gros, il est sûr que ça. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, je t'ai eu. Ouais, mais moi je vais remonter. Non, non, remonte. Ah, mais merde, c'est inversé, j'avais pas vu. Pardon. Je sais pas. N'approche pas.
des énigmes tout le temps, c'est chiant, c'est chiant. Encore appliqué. Hein. Hey, tu es revenu. Hey, alors, petit gars, une attraction, hein, oui, je sais. C'est quoi spécial réparation? Hein? Quoi, petit gars? Tu as ton propre canon? Et il est où? Oh, non. Laisse tomber. C'est pour plus tard. Allez, go. On s'en va vers notre ciel. On peut passer? Oui, on peut passer par. J'ai pas envie de me taper la cinématique. Quand je dis la cinématique. Alors, je sais pas ce qu'il faut faire. Aïe. Je vais bien me manger là. Mais arrête de faire ça. Donc, si je prends une boule, qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord. Salut. Alors, laisse-toi concentrer un petit peu. Je vais devoir chercher un petit peu la solution. On va retourner au château. Parce que voilà. Je vais juste sauver le chat. Sauver le chat, oui. Un chasseur chassant, chassé, sans son chien est un très bon chasseur. Ah. Alors, les herbes sont. Je me suis un peu, j'étais chopé. Ici. Ok, parfait. Alors, ma petite épaule, comment tu vas? Ok, directement. Comment on a fait là? Deuxième fois que je me fais avoir. Salut! Oh, le fail! Oh, le fail! Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, maintenant, Kratos va sûrement être plus souvent avec nous pour les vidéos de Zelda, parce qu'on a besoin de lui. Parce que je n'ai plus de souvenir précis de ce moment. Donc voilà, je sais pas. On a déjà envoyé au château de Diablo pour voir. Arénette. Hop, on descend. Et on y va. Non! Non, descend. Oh, truc, je connaissais pas ça. Je ne connaissais pas. Ok, parfait, pas de lettres. Attendez, c'est laisse-moi réfléchir. Je vois pas comment on peut y aller, quoi, en fait. Bah, aujourd'hui, que du secondaire, je suis désolé, parce que... Je suis désolé, je n'ai pas de cerveau. Tout simplement parce que je ne sais pas... Ouais, je m'en fous. Je sais pas ce qu'il faut faire. Donc dites-moi dans les commentaires parce que j'ai pas. Bon, enfin, je demanderai à Kratos, mais je préférerais que ce soit vous qui me le dites parce que en ce moment je vois plus beaucoup parce que c'est les vacances et que. Et qu'on se parle plus quoi. Enfin, on se parle encore, mais pas beaucoup quoi. Quand on se voit sur Skype quoi seulement. Là y'a quoi? Oh les chats! Ouais, je vais choper la balle. Bon, essaye. Hop. Ah oui, je me souviens tout à l'heure avec le chien. Cette porte est fermée à clé. Ok. Ah tiens, je te prends. Toi, t'es roux comme moi. Bah, venez. Tiens, tu me suis, t'es cool. On va pas aller là. Je sais où on va aller. Tiens, avec tes amis. Il me suit, j'adore ces chats. Ouais, en même temps, 20 minutes. Je sais même pas si on va avoir le temps de faire du secondaire. Je voulais rentrer dans cette maison pour voir. Encore? Qu'est-ce qui doit? Je suis occupé. Alors dis-moi. Tiens, il y a un chemin là. Non. Mais pourquoi il ouvre pas? Non. Oh non mais. Monsieur quoi. Oula, 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 c'est une mousse de merde.
je suis trop court, je croyais que j'allais là. J'aime bien les flèches parce qu'elles one-shot. Donc, bah, on repart. Hein. Non, en fait, c'est pas là que je voulais aller. Je voulais un endroit assez intéressant qui me permettra de faire quelques trucs. Juste la carte, on en est où? Ah, il nous manque toute cette zone là. Je sais plus ce que c'est ici. On va revenir. Non, pas par là. Hop, poussez-vous. Hop. On va aller, comment ça s'appelle ? Un endroit très particulier qui nous permettra de gagner quelques rubis. Même si on n'a pas vraiment besoin de rubis. Mais bon. C'est pas bon. Je suis plus sûr. Ah non ! Là, il y a un truc intéressant. Monsieur, sauf votre respect, la vue de ces souliers maculés pourrait fortement disposer nos autres clients. Aussi, vous prierai-je de revenir après avoir veillé à les faire lustrer. Bien compris. Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer. D'accord. Monsieur, sauf la vue de vos souliers maculés, c'est quoi ça? Il va pas me saouler? Si? Putain, mais ça va. Allez! C'est tout! Moi, je m'attends 22 minutes. Bon, en fait, y'a rien secondaire non plus. Oh là là, je déteste le jeu. Quand on est bloqué, c'est chiant. Donc, ça, c'est. What? Oh putain! C'est bon, j'ai retrouvé. Je sais où c'est, je sais où faut aller. C'est bon! J'avais déjà vu de quoi. Je me disais, il manquait un truc, mais j'avais. Pas dit ça, ça. Bienvenue chez Irimba. On sent. Je vais les armes pour révéler un peu de ton histoire. Laisse-moi. Ok. Pas travail, hein, pas grave, moi. Fais comme bon te semble. Voilà. Dans l'exarchate, ce que le sort te réserve. Parlez et augure. Je vois! Elle fait trop peur. Si vous voulez noyer votre stress, pourquoi ne pas plonger comme un Zora? Alors, qu'en penses-tu? Si tu devais perdre de vue à plus l'important, sache que tu pourras me rendre visite à tout moment. Ok, et maintenant, Namu. Je vois. Je vais te montrer un cœur qui ne bat que pour toi, et non, tu ignores tout. Parle, augure. Voilà. Je vois. C'est sérieux? Pourquoi il monte ça? Ok. Va visiter l'endroit exact que ses yeux ont entraîné. Il s'agit de. Elle est malade celle-là. La meuf elle me connaît même pas. Bon bah on va aller voir, hein. Tant qu'à faire. Merde, c'est pas à toi que je veux parler. Je sais pas où c'est. Enfin, je sais à peu près où c'est, mais comment y aller Je me suis trompé, je crois. C'est pas là. C'est pas là-bas. Je crois que si, en fait. Je crois que je me suis fait rouler. Ah, c'est là. Excuse-moi. Pour que la paix règne dans les rues, puis-je vous demander l'aumône? Puisse l'âge d'amour descendre des cieux, vous illumine de sa lumière. Priez régulièrement pour la paix, et le jour viendra où vous serez envolé d'amour. L'arnaque! Je vais me faire baiser la masse de sous. J'hallucine là. Je savais pas que le jeu était comme ça. Donc c'est là le nouveau jeu. Donc regardez, on ne peut pas y participer pour une bonne raison. Que...
Chante demoiselle, bienvenue au nom du royaume au règne des espoirs non maîtrisés. Son maître souffle. Le lieu magique où vous la gloire d'une étoile, du cirque insufflera et le cadeau vous semblera. Tout cela le même plus encore quand c'est ce jeu d'étoiles, les rêves de son corps. Pourquoi pas? Fort bien, monsieur Mignon. Votre tâche débutera dès que vous aurez pénétré dans l'arène. Soyez prudent et rompez. Bien, monsieur, à mon signal que la fête commence. Oui, mais juste comme ça. J'ai pas ce que je veux pour pouvoir faire ça. Hop là. Mais c'est impossible, d'accord. Ouais, non, laissez tomber. En gros, faut y aller, mais avec une arme d'un donjon. Du donjon bleu, enfin de l'eau, justement. Donc voilà. Donc je suis à voir. Ah ah, quel dommage, monsieur. Qu'en dites-vous? Ce chemin vous étoile, blablabla, une vérité étoile, blablabla, blablabla, ni ni. Oh, ça va. Bon, voilà. Donc c'était ça, et on a besoin d'un donjon pour faire ce truc. On a besoin d'un objet du donjon pour pouvoir réussir ce truc qui nous donnera je sais plus quoi. Qui nous donnera quelque chose, c'est plus important. Il nous reste encore des trucs à visiter. Au moment où on fait un peu de visite, hein, je vous montre quelques trucs, ça sera assez important. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Prince machin. Ou princesse machin. Château de Macro, quoi. Ah voilà, c'est là que je vous disais, on gagnera la Maze Weebly. Coucou. Oh, je vous avais pris pour une grosse sauterelle. Même si vous portez ces vêtements, vous devez forcément être un grand ami des sacs, non? Mais je ne suis pas présenté. Je m'appelle Macharan. Je suis la princesse du royaume des insectes. J'ai organisé un grand bal auquel j'ai convié les 25 sujets au corps doré vivant le pas. Je ne sais si. Je m'en fous. Bonjour, vous désirez me parler? Oui. Et donc les petits insectes qu'on avait trouvés, bah, il suffit tout simplement de lui donner, et ça aussi il va falloir qu'on le fasse à 100% en fait. Oh, enchanté de vous voir nous rejoindre, prince. Passe. Ah, Rébiche, la semaine, j'aimerais. Merci les fonds du cœur. Je n'en reviens pas, vous les avez vraiment amenés jusqu'ici. Vous êtes honnête avec vous et je ne vous faisais pas confiance, mais c'est un défaut commun de joueur. À partir de maintenant, quand vous m'amenez des animaux, partagez mon bonheur comme ça, la tête. Une grosse. Oh oui! Place n'a pas de partenaire, pourriez-vous vous aider à ce club séparé? Oui, t'inquiète. Chaque fois que vous convenez un nouveau cours de danse, je saurai partager mon bonheur plus intensément avec vous. Oui! Donne-moi une autre bourse, s'il te plaît. Oh, enchanté de vous voir, nous sommes gens de bois. Et nous donne des rubis orange ou de trucs là. Ouais, combien de mes sujets manquent encore? J'appelle 22. Oh, elle nous a donné une bourse, oui. Je suis bloqué. Oh, mais c'est trop bien! Putain, je m'attendais pas à ça, je me semblais qu'on l'a fait autre part la bourse. Oh, mais c'est elle, les gens, c'est. Oh yes! J'ai envie de dire yes là, parce que c'est. Oh putain! Je pensais jamais l'avoir ce truc. Et donc voilà, bon, on a tout visité, je pense, on a 30 minutes, donc on va s'arrêter là. Donc je suis désolé de ne pas vous avoir fait la suite, parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire. Aidez-moi dans les commentaires, please! S'il vous plaît! Bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert et on se retrouve pour une vidéo. Allez, salut!